Merci, Khalil. Merci. Vraiment une importance capitale parce que, en tout cas, en tant que maire, je pensais vraiment connaître beaucoup, beaucoup sur le foncier. Mais à partir d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, de bonne foi, je me suis trompé. Parce que, effectivement, le foncier est tellement vaste qu'il faut apprendre et continuer à apprendre. Je crois que vous avez suivi un peu le débat sur un cas de désaffectation au niveau d'un GIE, ensuite réaffectation. C'est un cas effectivement qui existe dans la commune de Namport. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai toutes les armes pour vraiment argumenter ce dossier. Alors, donc, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que également les chefs de village sont tous là. Nous sommes là, les commissions domaniales sont là, puisque les chefs de village sont d'office membres de la commission domaniale. Donc aujourd'hui, en tout cas, cet atelier a permis à tout un chacun vraiment de s'imprégner sur le foncier d'une manière générale. En tout cas, le sous-préfet a réussi sa mission. Il a fait un exposé très clair, très détaillé. Je crois que tout un chacun, avec un document à l'appui, vraiment pourra se référer vraiment dans les prochaines échéances. Vous pensez que cela va ouvrir des perspectives justement pour s'engager dans des lotissements sans difficulté dans vos localités respectives? Ah oui, vous savez, nous d'ailleurs au niveau de Namport, de la commune de Namport, on a effectivement ce projet de lotissement sur 673 hectares, lotissement dans le cadre de 100 000 logements. Aujourd'hui également avec la commune de Jiguinchor, nous avons un projet de 100 hectares pour ce qu'ils appellent vraiment modernisation en tout cas des cités donc de la commune de Namport. Alors donc aujourd'hui je crois que à partir des documents dont nous disposons, nous sommes bien armés pour effectivement, parce que l'autre jour d'ailleurs quand j'intervenais, je disais que nous, c'est vrai, on peut accepter le projet, mais l'autorité administrative, les services techniques, vraiment c'est eux qui peuvent nous conseiller. Aujourd'hui, je crois, même si effectivement, j'attends toujours leur conseil, mais au moins j'ai quelques arguments pour effectivement répondre à certaines préoccupations. Donc c'est pour dire encore une fois combien ça a été important l'atelier.